Alors, quand on parle d'urbanisme, d'architecture ou d'aménagement général de la Guadeloupe, on ne peut pas partir de ce que nous voyons aujourd'hui. On est obligé de repartir de 1635 à peu près, ce qui correspond aux premiers aménagements qui sont installés sur l'île. En fait, c'est la Compagnie des îles d'Amérique qui va établir les premiers aménagements en installant les trois piliers, c'est-à-dire l'armée, l'église et les colons. Et en 1848, on est à la date de la libération, de l'abolition de l'esclavage. Les employés n'appartiennent plus à l'usine. Eux, l'usine, Gardel, Darboussier, Beauport, qu'importe, car c'est partout le même schéma. Les propriétaires et les cadres sont blancs, et les ouvriers qui produisent la richesse sont noirs. La culture de la canne chez nous est liée à l'instauration de l'esclavage, car les colonies avaient pour vocation essentielle de fournir du sucre à la France et à l'Europe. Et donc le premier réflexe, c'est d'en sortir. Donc en sortir comment? Ceux qui ont un métier, qui ont eu la chance d'être formés à un métier particulier dans l'usine vont pouvoir partir. Certains vont même voyager. C'est le cas de ce qu'on appelle les nègres à talent, qui savent faire de la chaudronnerie, de la ferronnerie, de la charpente, etc. Alors que ceux qui ont juste coupé la canne, replanté, etc., n'ayant pas de qualification particulière, tout ce qu'ils vont faire, c'est sortir des limites de l'usine et s'installer le long des routes, en chapelet. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le paysage, ça n'a pas changé, c'est Sainte-Marie, La Boucan, Caranguèze, etc. Donc tous ces chapelets de maisons installées de part et d'autre de la route, c'est juste le premier mouvement, je dirais, d'aménagement par les esclaves qui sont sortis de l'usine. Le 12 septembre 1928, la Guadeloupe est frappée de plein fouet par un terrible cyclone qui cause d'énormes dégâts à Pointe-à-Pitre. Une déferlante, traversant la baie, envahit les îlots de la Rade, tuant les malheureux qui s'y sont réfugiés et échoue les bateaux jusque dans les rues de la ville. Au total, la commune déplore des centaines de morts. Et quelques années après, autour de 1932 à peu près, un grand chantier va commencer parce que la colonie a besoin de réparer et de restaurer les bâtiments qui ont été abîmés. Elle va être entreprise par dessinée et conçue par un architecte qui s'appelle Alitur. Et bien sûr, pour construire, il va falloir faire venir des entreprises d'ailleurs, qui sont essentiellement des entreprises italiennes. Ils vont amener la technique du béton armé. 1946 arrive peu de temps après. Et là, c'est l'installation du département, donc la colonie devient un département. Et bien sûr, il faut aussi que le département s'installe. Le département s'installe et a besoin de fonctionnaires. Donc de fonctionnaires qui vont être recrutés localement, mais aussi de fonctionnaires qui vont venir de la métropole pour organiser le système du département. Petit à petit, avec 28, le pays s'est structuré, les emplois se sont un peu structurés. 46, c'est vraiment le bond en avant. 46 amène l'obligation de respecter les lois du travail et de donner des salaires aux gens. Et donc c'est là qu'on commence à avoir des vagues d'exode vers ces villes. Et ces vagues sont d'autant plus importantes quand elles correspondent à la fermeture d'une usine. Ils arrivent avec leur habitat qu'ils ont construit sur la route à la sortie de l'usine. Cet habitat qui est ingénieux, parce qu'on peut le mettre sur une charrette à bœuf, on peut le mettre sur un plateau de camion. Et bien sûr, cet habitat, il arrive souvent de nuit dans la ville et s'installe aux portes de la ville. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'assainissement. Et ce sont souvent des terrains autour de Pointe-à-Pitre qui sont inondés chaque fois qu'il y a une averse tropicale. Voilà. Donc des conditions de vie très précaires. Et c'est ce qui va déclencher à la première visite de De Gaulle ce vaste projet de reconstruction de Pointe-à-Pitre.